Bonjour à tous, merci beaucoup de finir cette journée avec moi et pour parler un petit peu ensemble de Xdebug. Alors c'est la dernière conférence de la journée, j'ai essayé de pas trop vous assommer. Si vous êtes là aujourd'hui aussi nombreux, a priori, c'est qu'on a tous eu un rapport à un moment ou à un autre avec Xdebug. Alors soit on a réussi à l'installer, tout s'est bien passé, soit on a galéré sur la config et c'était plus compliqué. Donc moi, le but de cette conf avec vous, ça va être de vous montrer le chemin final. Une fois qu'on a réussi à configurer Xdebug et qu'il fonctionne dans notre IDE, comment est-ce qu'on peut faire pour s'en servir et tous les bienfaits que ça peut apporter à notre projet. Donc je vais commencer par me présenter. Alors, je m'appelle Romain Colombier, mon pseudo c'est Chinaski. Je suis un ancien libraire, donc en ce moment même, dans l'autre salle, il y a une conférence sur un rôtisseur également devenu développeur Drupal. Je trouve ça assez cool, cette communauté qui s'enrichit de toutes ces reconversions. Je suis également un fan des requins. Alors les requins, c'est gentil, c'est des bêtes un peu incomprises. Comme nous, quand on nous dit que PHP est mort, on se sent un peu incompris aussi. Donc voilà, il ne faut pas avoir peur des requins, comme il ne faut pas avoir peur de nous. Je suis également ingénieur senior chez Equino depuis 2022. Ça a fait maintenant donc un an et demi. Au niveau de mon parcours, j'ai quasiment toujours fait du Drupal, depuis que j'ai commencé, enfin je me suis reconverti dans le développement en 2019, et bien sûr un peu de Symfony et du Laravel plus récemment. Je suis un fervent défenseur de deux pratiques, on va dire de dogmes entre guillemets dans le code, c'est la programmation défensive et la programmation pragmatique. Donc la programmation défensive, c'est le fait de s'assurer en fait en permanence de tester tous ces typages, de tester, enfin il y a plein de choses qui sont derrière ça, c'est pas le but de stalk, et la programmation pragmatique, c'est quelque chose en fait qui veut se dire... Il faut être pragmatique avant tout. Est-ce qu'on a besoin vraiment de remplacer un switch ou un match par un design pattern stratégie? Il faut savoir parfois se mesurer. Et si j'utilisais beaucoup plus souvent ces deux types de programmation, j'aurais pas besoin d'Xdebug parce que mon code serait super clair, super lisible. Et donc, le but à atteindre finalement, c'est de ne jamais avoir besoin d'Xdebug puisque notre code s'auto-documente et est super clair. Alors, qu'est-ce que c'est qu'Xdebug? Pour en faire un petit peu d'historique, c'est une extension PHP qui a été créée en 2002 par Derek Retans. Pour ceux que ça intéresse, c'est toujours Derek Retans qui est aux commandes. Il a une chaîne YouTube, il a un blog, il détaille vraiment, enfin, il fait de gros efforts pour démocratiser l'extension. Il fait pas mal de hands-on, il me présente un petit peu dès qu'il y a une nouvelle fonctionnalité, il va vous montrer comment l'utiliser directement dans les IDE. Et sur son blog, il rentre vraiment dans le détail si tout ce qu'il veut, vous voulez voir en fait comment ça se passe niveau opcode et comment est-ce que Xdebug s'interface avec tout ça. Il peut rentrer dans le détail, il est aussi accessible sur X, sur Twitter. Xdebug, c'était prédestiné. Vous pouvez donc carrément aller le solliciter. J'ai mis que c'est le debugger PHP le plus connu, alors pour pas dire entre guillemets le seul, mais il y a quand même des alternatives, notamment au niveau profiling, je pense à XHProf ou Blackfire pour les plus fortunés entre nous, mais on n'est pas vraiment sur le même outil. Ça reste Xdebug qui va être le seul à proposer une interface front-end dans les IDE les plus courants. Donc pareil, j'ai mis les IDE les plus courants pour ne pas dire tous, parce que vous soyez sur PHP Storm, VS Code, NetBeans, même NeoVim, il y aura une intégration Xdebug qui sera proposée, développée par la communauté, et qui vous permettra d'avoir un petit front-end très pratique pour vous permettre d'utiliser l'extension. Et j'ajoute également que c'est activement maintenu. On en est actuellement avec la version 3.3.1, avec une intégration PHP 8.3 qui est sortie au mois de décembre. Donc souvent, quand on parle d'Xdebug, enfin quand j'en discute en tout cas autour de moi et que je demande « Mais pourquoi est-ce que tu n'utilises pas Xdebug sur ton problème? Pourquoi est-ce que tu mets des vardums partout alors que je suis persuadé qu'avec Xdebug, tu pourrais tout régler rapidement ?» Souvent, on me dit « Bah, j'ai pas réussi à le configurer. » Et effectivement, c'est un problème. Alors, ça va dans le bon sens, PHP Storm notamment a fait beaucoup de gros efforts à ce sujet, mais voilà, il suffit de faire une petite recherche Google, on tombe sur ce thread Reddit, pourquoi est-ce que vous utilisez Xdebug, et sinon pourquoi pas? La plupart des gens, bon alors, sont un peu francs, hein, c'est Tingle Free Sex, certes, d'autres qui disent, j'ai jamais vraiment compris comment l'utiliser, et enfin un dernier qui dit, j'ai jamais réussi à me faire marcher sur le WSL Docker, sinon j'utiliserai tout le temps. Et effectivement, que vous soyez, enfin selon votre stack, si vous êtes sur du Docker, si vous êtes sur du Vagrant, si vous êtes sur du WSL, si vous êtes sur une stack Lamp, si vous êtes sur un serveur remote et que vous voulez faire marcher Xdebug en tunnel SSH, c'est possible, mais la configuration ne sera pas du tout la même. Et ça peut être un petit peu compliqué, rien qu'à voir le nombre d'articles qui pullulent à ce sujet sur hey, comment interfacer Xdebug avec un tunnel SSH sur le WSL. Il y a toujours des choses qui permettront, enfin qui vont sortir et qui correspondront à votre stack. Et du coup, c'est pas du tout ce dont on va parler aujourd'hui, parce que j'ai pas spécialement envie de faire, puis même pour vous, de faire un talk qu'on va détailler stack après stack, toutes les façons possibles d'utiliser et d'installer, de configurer Xdebug avec son IDE. Donc nous, aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur l'utilisation. On va vous montrer le résultat, une fois le chemin parcouru, on a réussi à l'installer, on a réussi à le configurer, et on peut se faire plaisir directement dans notre IDE. Alors, grosso modo, les bases Xdebug, à quoi ça sert? Il y a quatre gros avantages, quatre grosses fonctionnalités. La première, c'est les breakpoints. On peut arrêter son code, suspendre l'exécution du code à un instant donné. Une fois qu'on a fait ça,
on peut observer l'exécution de son code. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-ci? Quelles sont les différentes variables que j'ai à ma disposition? Et surtout, si je tape une expression maintenant, qu'est-ce qu'elle me renvoie? Qu'est-ce qu'elle vaut? On peut également, donc, avec une stack trace dynamique présente dans l'IDE, remonter. Donc, vu que nous, on n'a pas de design PHP, on ne peut pas faire comme en Java avec les débuggers, par exemple, de retourner en arrière dans le code. On ne peut pas faire ça, mais on peut quand même avoir accès au stack trace. Et les IDE ainsi que Xdebug nous conservent l'état des valeurs, des variables et des expressions au moment où elles ont été utilisées. Donc, on va voir ça ensemble tout à l'heure. On remonte la stack trace et je vois ce que valait telle variable à tel moment lorsque je suis passé dans telle fonction. Et on a également la partie qui est un peu moins connue, profiling, enfin moins utilisée, parce que là, il y a plus d'alternatives. On peut également faire du profiling avec Xdebug et pouvoir observer, par exemple, quelle est la fonction, quelle est la méthode qui a utilisé le plus de RAM, le plus de CPU, le plus de temps sur l'exécution d'une requête HTTP, par exemple. Donc, là, depuis tout à l'heure, je vous parle d'Xdebug comme étant la solution miracle. Est-ce que c'est le cas? Non, il faut être pragmatique. Comme beaucoup d'outils, il faut savoir quand l'utiliser. Parfois, un dump and die bien placé va être largement suffisant. Est-ce qu'il y a besoin de configurer l'extension, l'installer, mettre un breakpoint pour regarder ce que valait un petit retour d'une fonction, par exemple? Ce n'est pas toujours le cas. Si on veut juste obtenir une information rapide, dump and die peut être la bonne solution. Cependant, je pense que Xdebug, le véritable intérêt, c'est qu'on a un gain de temps énorme qui est fait lorsqu'on est dans la prise en main d'un nouveau framework ou d'un code legacy. Par exemple, je suis un développeur Laravel, j'arrive sur un Symfony, je vais caler un breakpoint directement dans l'index.php et je vais pouvoir, de cette façon-ci, observer un petit peu tout ce qui se passe dans mon framework. Comment est-ce que ça se passe? La requête HTTP, elle est reçue, elle est handle, qu'est-ce qui est appelé, comment se passe du coup l'injection, par exemple, enfin le routing, comment se passe l'injection des dépendances. Tout ça, je vais pouvoir, en fait, avoir une Xdebug va me permettre de faire une petite visite guidée, pas à pas, via mon IDE, de l'exécution du framework. Ça peut également être utile dans les cas où on a des bouts de code qui peuvent sembler un peu magiques. Je pense par exemple au hook dans Drupal. On ne sait pas forcément à quel ordre ils sont joués, comment est-ce qu'on fait, etc. On peut caler des breakpoints et remonter, voir comment est-ce que c'est exécuté, pourquoi dans quel ordre. Et surtout quand on arrive, par exemple, on va le voir tout à l'heure, sur un pré-process de Node, j'ai ma variable qui est proposée. Je cale un breakpoint et je regarde ce que j'ai à disposition. Plutôt que de faire un var dump où il va falloir que je configure pour voir exactement ce qu'il veut, je vais avoir quelque chose d'assez dynamique. Et au final, plus on va connaître son framework, et où plus le code métier respecte les principes qu'on connaît, Solid, DryGis, etc., plus le code s'auto-documente finalement, moins Xdebug devient utile. Xdebug est vraiment là pour être un petit peu, comme je le disais, nous prendre par la main initialement, et nous permettre de comprendre plus vite certains bugs. Et parfois, quand on arrive sur des codes legacy, parce que oui, ça arrive, des codes qui sont très complexes, qui ont un gros héritage, on peut se retrouver avec des méthodes de classe qui peuvent faire des centaines de lignes, Xdebug peut vraiment nous aider à comprendre tout ce qui se passe. Je repense tout à l'heure au système de hook. Parfois, on ne comprend pas exactement pourquoi est-ce que notre rendu est comme ceci, parce qu'on a oublié qu'il y avait un hook précis dans un module. Xdebug peut nous aider à comprendre tout ça et à nous faire cette visite guidée sans avoir besoin de trifouiller un petit peu partout. Et encore une fois, des dump and die peuvent suffire. Je pense juste qu'on va y mettre beaucoup plus de temps et qu'on va louper certaines informations qui pourraient être intéressantes dans le cadre d'un apprentissage. Comment est-ce que ça fonctionne, Xdebug? Alors, pour les puristes, on peut le faire en ligne de commande. Donc, on l'a en haut à gauche. Xdebug propose par défaut, donc l'extension PHP propose par défaut plusieurs commandes, donc le step into, context get, qui sont quand même beaucoup plus sympathiques à utiliser dans un IDE tel qu'on l'a en bas à gauche. Donc c'est maintenant ce qu'on va voir ensemble. On va aller sur PHP Storm, on va aller voir un petit peu d'abord l'utilisation basique d'Xdebug, comment est-ce que ça fonctionne, les petits boutons classiques, et ensuite on va aller voir des utilisations plus avancées, et je vais essayer de vous montrer tout l'intérêt qu'on peut avoir avec cet outil, toujours dans le cadre d'un apprentissage et d'une compréhension globale de notre nouveau projet ou de ce qu'on fait. Bon, ça c'était la dernière slide, mais on ne s'arrête pas là, on continue. Alors, parfait. Alors, on va essayer de zoomer. Vous me dites quand c'est assez gros. Le mode distraction, enfin le mode présentation, pardon, il est un peu compliqué parce que du coup, on ne va pas forcément avoir les modes debug, donc on va rester comme ça. Donc si jamais c'est pas assez gros, vous me dites, hein, je peux toujours zoomer. Donc ici, on est sur un besoin tel qu'on l'a tous les jours. On va faire un petit script un petit peu habituel pour pouvoir commencer à prendre en main l'outil. J'ai donc une variable. Cette variable, c'est un array. Elle prend en compte quatre valeurs, ces quatre strings, des noms, des prénoms d'éléphants. Un cas typique, comme ça nous arrive régulièrement. On a donc Babar, Dumbo, Elmer et l'éléphant PHP. Et on a ici une fonction que j'ai volontairement faite pour être pas forcément très très lisible. Cette fonction, grossièrement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait appel à ArrayMap et ArrayFilter. Donc, dans ArrayMap, elle va prendre nos quatre entrées, nos quatre prénoms d'éléphants, va utiliser str2Upper pour nous retourner ces prénoms en majuscules. Et ensuite, on va passer par ArrayFilter qui va prendre une nouvelle closure qui, elle, va juste faire un strContents avec M. Donc, logiquement, à la fin, on va avoir nos noms d'éléphants en majuscules et on gardera seulement ceux
qui ont la lettre M, à savoir Dumbo et Elmer. Donc, ici, j'ai calé un premier breakpoint sur éléphant. Je lance. Ici, immédiatement, on a le tableau qui apparaît. Donc déjà, comme je vous disais, ce qui est intéressant, c'est qu'on a à disposition l'état des variables telles qu'elles sont présentes à l'instant T. Ici, on est au tout début d'un script, donc a priori, on n'a rien du tout, si ce n'est les variables super globales. Donc là, par exemple, je peux déjà voir dans, dans la variable env, par exemple, tout ce que j'ai à disposition. Ce n'est pas forcément quelque chose qu'on va avoir le réflexe de faire quand on arrive sur un nouveau projet, de faire un var dump $_env_die, juste pour voir. Mais déjà, on se dit, OK, je vais pouvoir ici observer tout ce que j'ai et peut-être un peu mieux comprendre mon script, mon environnement. Idem pour serveur. Alors, les boutons qui sont mis à disposition par Xdebug, on les a juste ici. Le bouton stop, logiquement, il stoppe le script. Le bouton resume, il va reprendre l'exécution du programme jusqu'au prochain breakpoint. Et ensuite, les boutons qu'on va le plus utiliser sont ici, step over, step into et step out. Là, par exemple, donc, je suis sur ma fonction éléphant, sur la définition pardon, de ma variable éléphant. Si je fais ça, j'arrive sur ma fonction filter elephant. Si je fais à nouveau un step over, je ne vais pas passer par l'intérieur de ma fonction, mais je vais directement aller à l'étape suivante. Donc là, ce qui va nous intéresser, nous ici, c'est de rentrer dans cette fonction. Ici, on arrive dans l'array filter et dans l'array map. Donc déjà, là, plusieurs choses se mettent un petit peu... Bon, là, juste pour commencer, on peut voir rapidement qu'on va pouvoir évoluer. Je vois que name, actuellement, ma variable, ici, dans ma closure, vaut babar. Donc j'ai ici l'évaluation des variables. Donc déjà, on peut se poser plusieurs questions. Ici, l'objectif, c'est de vous montrer que le var dump n'est pas forcément une solution hyper aisée. Par exemple, imaginons ici, j'ai un tableau de 4 valeurs. Maintenant, imaginons sur le vrai cas d'usage qu'on va faire, je vais avoir un tableau de 800 valeurs. Sur ces 800 valeurs, je sais que j'en ai une qui me pose problème et qui est génératrice d'un souci. Je vais vouloir y aller. Donc ici, ce qu'on pourrait faire dans le cadre où on veut faire un debug manuel par des dump and die, par exemple, ce serait de dire, bah, du coup, je vais reprendre mon array, je vais le modifier, je vais garder que Elmer. Là, du coup, on va commencer à modifier la structure de code et ce n'est pas forcément ce qu'on veut. Parce que si on modifie la structure de code, potentiellement, on altère le comportement de notre programme et on va penser avoir résolu un bug alors qu'il ne l'est pas forcément. Donc, ici, et puis on n'a pas forcément non plus la main sur l'input. Donc ici, deuxième chose, on peut se dire, là, à ce niveau-ci, je peux tout à fait me dire, ah bah du coup, je peux faire un if name égal égal Elmer, mettre quelque chose, je ne sais pas trop quoi, x égale 1, xdebug, et ici, caler un breakpoint. Pareil, encore une fois, là, on vient de modifier la structure de notre code. Ce n'est pas du tout ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est tester et résoudre l'exécution de ce code uniquement, sans avoir à modifier le code. Et donc là, Xdebug nous propose un premier truc assez intéressant, c'est les breakpoints conditionnels qu'on a ici. Donc là, je peux lui dire que je veux que mon code s'interrompe et suspende son exécution à ce moment-ci, si et seulement si mon name vaut Elmer. Je le passe à done, on va fermer celui-ci, je relance mon script. Et on voit que là, mon script s'est arrêté uniquement parce que name est à Elmer. Donc j'étais à la troisième itération de mon for each. La même façon avec des fonctions natives PHP. Donc ici, par exemple, j'ai le str2upper qui est à name, mais qui va faire un return. Donc là, si je continue l'exécution de mon code, je vais sortir de la closure et je n'aurai pas vraiment le retour du str2upper. Donc là, de la même façon, ce qu'on pourrait faire avec un var dump, alors là, on est dans une closure en plus, donc c'est un peu compliqué, mais on va se dire, bah, du coup, je vais attribuer ça dans une variable. Ici, je vais faire un return x et je vais mettre mon breakpoint ici sur la ligne 16. Encore une fois, on est en train de modifier notre code et ce n'est pas du tout ce qu'on veut. Donc là, Xdebug nous propose autre chose qui est intéressant, c'est le return breakpoint. Ici, avec le step into, on peut depuis la... Alors c'est seulement depuis la version 3.2 qui est sortie il y a un an et demi. Donc si jamais vous n'avez pas encore cette fonctionnalité, il suffit juste de... Enfin, il suffit de mettre à jour Xdebug. Et ensuite, avec le step into, on voit ici que j'ai le retour des fonctions qui s'affichent, des fonctions natives. Et là, je vois le retour de ma fonction qui est Elmer, le retour de ma fonction qui est... Et donc là, on est passé à l'étape suivante, l'éléphant PHP. Donc là, tout ça, on se dit, OK, c'est intéressant, mais là où on voit vraiment le plein pouvoir, c'est par exemple dès qu'on va utiliser des fonctions inlinées. Donc là, vous voyez notre fonction filterElephant qui fait l'array filter et l'array map. On pourrait, si on voulait s'amuser, l'écrire en une seule ligne. Cool, c'est là. Donc, on utilise des array functions, des closures, et on a sur une seule ligne exactement la même chose. Maintenant, je passe mon breakpoint ici. Là, si je voulais mettre des var dump là-dedans, je devrais modifier mon code et pas qu'un peu. Là, je devrais vraiment tout recommencer à tout découper. Et une fois qu'on arrive à ça, bah, on modifie encore une fois l'exécution. On est des humains, on fait des erreurs, c'est normal. On est là pour faire des erreurs d'inattention. En le modifiant, potentiellement, je vais l'altérer, je vais résoudre le truc, je vais remettre ensuite. Je ne suis pas certain de vraiment tout ce qui va se passer. Et donc, en faisant comme ça, et en enchaînant ensuite les step into, je vais pouvoir voir l'évolution de tout le traitement fonction par fonction et l'évolution de mes variables.
Babar devient Babar majuscule, MacLojure renvoie Babar, Dumbo, Dumbo majuscule, Dumbo, etc. Jusqu'à arriver ensuite au str contents qui nous renvoie des false, etc., etc. Donc là, c'était sympathique de s'amuser un petit peu avec nos éléphants. D'ailleurs, j'aurais pu le faire avec des requins, vu qu'au début, je vous parlais de requins. Il y a moins de requins connus. Du coup, maintenant, on va attaquer plutôt sur un Drupal. Alors, on a ici un petit Drupal que voici. Alors, c'est un Drupal, tout ce qu'il y a de plus classique. On est sur une fresh install. Il y a uniquement 2-3 petits bouts de code custom que je vais vous expliquer. Qu'est-ce que sont que ces codes custom? On a un petit plugin de bloc ici qui fait un compte des articles sur le site. Les articles, c'est des nodes, il n'y a pas de surprise là-dessus. Et on a une deuxième entité qui est en place, c'est les termes de taxonomie. Pas de surprise non plus là-dessus. Donc ce bloc affiche le nombre d'articles qu'on a sur le site. Et ici, on a une page qui est gérée par un contrôleur qui affiche les 3 derniers articles sur le site et tous les termes de taxonomie qui sont présents. Et ici, on peut déjà voir qu'on a un souci sur notre plugin de bloc. Tout à l'heure, sur la page précédente, j'avais 3 articles. Ici, je n'en ai plus qu'un seul. Alors que pourtant, a priori, j'ai bien 3 articles qui sont présents. Alors, je vais vous présenter rapidement le code custom qui génère tout ça. Il est ici. Donc, on commence, on a un repository. Donc, d'abord, une classe repository base, une classe abstraite. C'est toujours assez... Peut-être zoomer un peu. On a ici, donc, une classe abstraite, repository base. Qu'est-ce que fait cette classe abstraite? Elle présente en fait une méthode, donc un constructeur, l'entityType manager, et ensuite elle nous permet de setter un entityType, et on voit qu'on a ensuite une méthode getStorage qui nous permet de récupérer le storage d'un entityType. Logiquement, a priori, je vais vouloir passer un entityType, par exemple pour Node, pour Taxonomy, et récupérer le storage correspondant. Parce que donc dans Drupal, chaque entité a son propre storage. J'ai ensuite mon site information repository. Qui fait un get control node, un constructeur qui récupère, donc qui set mon entity type à node, pardon, et ensuite rien de compliqué ici, j'ai des entity queries qui me permettent de récupérer là un compte de tous les nodes, ici les 3 derniers nodes, ici je vois que j'ai un get all terms, on set l'entity type à terme de taxonomie, get storage, get query, rien de compliqué. Le contrôleur en question qu'on a vu, il est ici, rien de bien compliqué, on récupère les 3 derniers nodes, on récupère les termes. Et on les envoie au site via un hook de thème sur un template qu'on a ici. Encore une fois, il n'y a rien de compliqué là-dessus. Et pour finir, notre bloc, il est encore plus simple. Donc, markup, je ne sais pas s'il y en a qui étaient à la conférence sur la render API. Pas forcément l'utiliser, mais ici, c'est le plus simple. Mais donc, on a le build ici qui nous fait un count, le getControlNode. On récupère l'ensemble des nodes et on envoie juste via un sprintf, il y a X articles sur notre site. Donc jusque-là, a priori, le code est assez simple. Je ne vois pas d'où peut venir le problème. Alors, première chose qu'on peut se dire, c'est peut-être que c'est un problème de templating. Qu'est-ce qui me dit qu'actuellement, ma variable ici, count, vaut bien 1. Donc ici, c'est parti. On y arrive. Donc là, je suis bien à count, je passe à la ligne suivante, et je vois bien que count vaut 1. Donc il y a bien un souci au niveau de mon repository, en tout cas au niveau de ce que me renvoie mon repository. Là, ce que j'aime bien faire dans ces cas-ci, c'est aller au plus bas niveau possible. Donc là, je veux savoir ce qui se passe concrètement lors de ma requête SQL, puisque ce que le fait le repository via les entity queries, c'est une requête SQL. Donc dans ces cas-ci, je vais pouvoir aller tout simplement sur ma classe select du driver Postgre, que voici. Cette classe, elle implémente donc la fonction execute. Et je sais, par expérience sur Drupal, que cette classe implémente stringable, et donc si je fais un string vis, je vais avoir la requête SQL telle qu'elle est en l'état. Alors, il faut qu'on avance un petit peu quand même pour la voir. Ah, merci, la parenthèse. Ici, je peux faire ce qu'on appelle une watch. Donc, en cliquant ici, XDebug va me garder le résultat de cette expression et va l'ajouter à ma liste de variables. Donc en faisant ça, ça me permet de mesurer et de visualiser l'évolution d'une expression au fur et à mesure de l'évolution du contexte de mon code. Donc on va retirer celle-ci. Et là, typiquement, je suis sur un enchaînement de requêtes SQL. Alors, on est sur Drupal, donc il y a beaucoup de choses qui sont faites dans la base de données. Par défaut, le cache, les settings, etc. La config, pardon, on a beaucoup de choses qui sont stockées là-dedans. Et ici, typiquement, sur ma page, je ne sais pas exactement combien de requêtes SQL vont être jouées.
Et si je commence à faire des resolve comme ça, jusqu'à tomber sur la bonne, et puis au final je vais la louper, bah on repère à nouveau l'intérêt de l'outil. Puisqu'on veut faire le moins d'actions manuelles possible, on veut être le plus sûr et certain possible de ce qui se passe à un moment donné. Donc là, il y a une autre fonctionnalité d'XDebug qui est assez intéressante. On va la voir ici, par exemple, je vais me mettre sur mon bloc. Je vais caler ici un nouveau breakpoint. Donc moi, je veux voir la requête SQL qui est exécutée uniquement lorsque mon build est fait. Lorsque l'appel pardon, à la méthode build est fait. Ici, plusieurs choses, déjà on peut se dire, bah, tout simplement, j'ai mis un premier breakpoint, build va être appelé, j'annule le breakpoint pardon, qui est fait ici, je vais sur mon bloc, mon code va s'interrompre, et ensuite je retourne dans mon IDE, je mets le breakpoint sur execute, et logiquement ça va être le suivant. Mais là encore une fois, on doit basculer entre le navigateur pardon, et l'IDE, on a encore beaucoup trop d'actions manuelles. Donc c'est ici qu'on va pouvoir commencer à s'intéresser aux fonctionnalités un peu plus évoluées que nous propose l'IDE. Donc ici, on a une petite liste de tous nos breakpoints. Donc déjà, un truc qui est intéressant, c'est qu'on peut rajouter une petite description sur nos breakpoints. Ça a l'air un peu trivial comme ça, mais quand vous serez dans des classes ou des méthodes avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de lignes, et que vous allez commencer à caler des breakpoints partout, eh ben, il y aura juste le nom de la classe avec le numéro de ligne. Ça peut être assez intéressant ici de rajouter une petite description rapide. Donc là, par exemple, execute select. Et ensuite, on va l'avoir de présenter dans l'interface proposée par l'IDE. Ensuite, si je regarde à droite, qu'est-ce que j'ai ? Donc, j'ai la condition, celle-ci, on l'a déjà vue tout à l'heure. On pourrait l'utiliser ici, mais encore une fois, on ne connaît pas exactement ce qu'on va avoir dans notre requête SQL. Quels sont les noms de tables ? Est-ce que cette table, si node, elle est appelée, par exemple, là, je veux faire un compte des nodes, donc je pourrais mettre un str-contains de node en condition. Je vais avoir toutes les requêtes SQL qui contiennent le terme node. Est-ce que c'est ce que je veux ? Non, parce que je ne sais pas exactement combien de requêtes SQL sont faites sur cette entité, qui est en plus une des entités, a priori, principales d'un site Drupal en fresh install. Je vais également avoir, donc si on prend la suite, je vais avoir une ligne log, avec par exemple, on va pouvoir avoir des logs en sortie, et je vais pouvoir lui demander de loguer des choses plus précises. Par exemple, je veux qu'il me sorte un petit message breakpoint hit, comme ça dans mes logs, je vais pouvoir voir l'évolution. Je vais voir qu'il m'imprime la stack trace en cours, ou l'expression d'une, enfin, l'expression, pardon, d'une expression, 1, 2, 3, 4, je vais y arriver, ou le résultat d'une expression. Et en fait, tout à la fin, là, on a quelque chose qui est hyper intéressant, on n'a pas forcément beaucoup l'occasion de l'utiliser, mais ici, ça va être le cas. On peut le dire que ce breakpoint-ci, dans le select, je veux qu'il soit désactivé jusqu'à que celui-ci ait été atteint. Donc en gros, le code ne va pas se suspendre sur ce breakpoint tant que le précédent n'aura pas été atteint. Et ensuite, je peux voir ce que je veux. Alors, est-ce que je veux à nouveau le désactiver ou le laisser activer ? J'ai le choix. De la même façon, là, si on pousse un petit peu toujours cette stratégie de « on veut rien faire de manuel à l'extrême », je vais avoir quand même mon code qui va s'arrêter une première fois sur le site information block. Et là, encore une fois, je ne veux pas parce que je veux vraiment ne faire aucun clic et juste avoir ce qui m'intéresse. Et ici, je vois que j'ai également une option qui me permet de dire que je ne veux pas que ce breakpoint suspende l'exécution de mon code. La seule chose que je veux, c'est que ce breakpoint-ci soit un breakpoint, une sorte de breakpoint conditionnel qui n'est que là pour permettre à un autre de s'exécuter et de se résoudre au bon moment. Donc, on valide cette configuration-ci. On y retourne. Et là, je vois que j'ai ma requête SQL qui s'affiche. J'ai bien mon count. Je fais confiance à mon code, je fais confiance à mon IDE. Je sais que je suis à la bonne expression. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? Je vois que je fais un select count. Jusqu'ici, c'est normal, puisque ce qu'on faisait dans le repository, c'était un count de tous les nodes. Par contre, là, c'est le from qui m'inquiète un peu plus. On fait un from sur la table des termes de taxonomie. Donc déjà, on a une première base d'explication. D'où vient ce 1 ? Il ne sort pas du hasard. Ce 1, a priori, fait un count sur les termes de taxonomie. Et ici, effectivement, je n'en ai qu'un. Donc déjà, je n'ai pas encore l'explication, mais déjà, je comprends un petit peu plus de contexte. Maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que cette requête est faite sur la table des termes de taxonomie et non pas sur la table des nodes. Donc pour ça, on va reprendre un petit peu le code. Si on va maintenant à nouveau dans notre repository. Je vois qu'ici, dans mon constructeur, j'ai bien un set entity type qui est à node. Donc ici, mon getControlNode, mon objet va être créé, il va être appelé directement. Donc logiquement, je ne devrais pas avoir de soucis ici. Donc là, je cale ici un breakpoint pour pouvoir voir est-ce que mon constructeur est bien appelé, quand est-ce qu'il est appelé. On y est. Donc là, je reprends un petit peu,
J'ai bien mon contrôleur ici, première OK, première fois qu'on passe par notre première fois qu'on passe par ce repository, c'est par le contrôleur, c'est logique, ici on y fait appel, et ensuite on passe par une classe que je ne connais pas, le conteneur. Encore une fois, on se met dans le principe qu'on découvre un petit peu la chose, on découvre un framework, et ici le conteneur, a priori, je ne lui ai pas demandé d'agir, ou j'arrive sur ce code-ci, je ne sais pas trop d'où ça sort. Si je regarde, qu'est-ce que fait ce conteneur ? Donc j'ai une fonction get. Ici, je regarde à droite et je vois que j'ai accès déjà à toutes les variables telles qu'elles étaient assignées au moment de l'exécution précédente. Donc là, on est remonté, on est dans notre repository, mais je retourne dans mon conteneur et je vois qu'effectivement, j'ai un ID afupxdebug.repository.sitinformation. Donc, a priori, repository.sitinformation, c'est le nom de mon service. Donc, je vais le prendre ici, on va copier la valeur et je veux voir exactement tout ce qui se passe à chaque fois que je passe par ça. Donc là, ici, rien de compliqué, on refait ce qu'on a fait tout à l'heure. Un breakpoint conditionnel sur cet ID. On va relancer tout ça. Donc ici, celui-ci, on le retire. L'exécute, on le retire aussi. Et a priori, mon container n'a pas été appelé. Alors, il manque les quotes. Aller à du direct. Et on relance. Et cette fois-ci, on y va bien. Donc maintenant, je vais me servir un petit peu à Xdebug pour voir qu'est-ce qui se passe dans cette méthode que je ne connais pas. Donc on avance. Bon, jusqu'ici, il y a des isset de vis alias. Je ne sais pas exactement. On passe. On continue. Il y a une definition. OK. On continue. A priori, on n'est pas dans ces fonctions-ci. Ici, on a un create service, on était entré dedans tout à l'heure. Je continue là-dedans et je vois que, ici, j'ai bien mon service égale new class. Class ici vaut mon site information repository, j'ai bien mon new qui est fait à ce moment-ci. Et si on continue, alors là, hop, logiquement, on est passé à nouveau et j'ai eu on est passé à la méthode getCount avec mon entité. Ensuite, ici, je retourne dans la fonction get. Je repasse une nouvelle fois, toujours avec mon service afup xdebug repository site information. Cette fois-ci, si je commence à regarder un petit peu ce qui se passe, je vois que là, le comportement a changé. Je regarde ce commentaire et je vois qu'on me dit on va réutiliser une instance partagée d'un service si elle existe. Et là, on return un vis service ID. Alors, pour ceux qui étaient à la conférence de ce matin sur la compilation du conteneur, on n'a pas osé montrer l'objet service parce que ça allait prendre beaucoup trop de place sur la slide. Mais ici, grâce à xdebug, on va pouvoir aller voir ce qui se passe. J'ai donc 235 services instanciés dans mon conteneur, prêts à être utilisés. Encore une fois, niveau documentation, on est sur quelque chose d'assez génial. J'ai accès à tous ces services-ci. Là, je peux voir les instances, voir comment elles sont définies, voir qu'est-ce qu'elles contiennent. On est vraiment sur quelque chose où, en gros, je me dis, bah, déjà, c'est un super outil. Dès lors que j'ai un souci au niveau du conteneur, je peux me placer ici, voir tous les services qui sont placés. Est-ce qu'ils sont déjà instanciés ou non? Est-ce que si j'en demande un, je vais devoir le créer ou est-ce qu'il va être rappelé avec d'autres valeurs? Et là, ici, potentiellement, on se rend compte que notre souci vient peut-être de ça. Donc là, maintenant, si je fais un vis service avec mon ID, je vois qu'effectivement, il existe. Il est présent. Et là, le entity type est cété à taxonomie terme. Ce qui, a priori, est logique, puisque par la suite, dans notre repository tout à l'heure, on avait une méthode ici qui changeait le set entity type. Et finalement, c'est ça qui s'est passé. À aucun moment, je ne suis repassé par le constructeur. À aucun moment, mon set entity type a été placé à nouveau à Node. Et donc, dès lors que je suis passé par cette méthode et que je ne repasse pas par le constructeur, étant donné que le conteneur de service va me rendre mon instance telle qu'elle a déjà été modifiée, je ne repasserai jamais par le set entity type à Node. Et à partir de là, tout ce que je ferai avec ce repository sera sur le storage des taxonomies termes. Donc ici, en ayant compris ça, on peut déjà voir plusieurs fixes possibles. On peut, par exemple, poser ici, se dire que bah, du coup, dans chaque méthode, on doit refaire le vset entity type et le placer à Node, par exemple, ou se dire que plutôt que de faire un repository domaine, il vaudrait mieux peut-être faire un repository pour les nodes, un repository pour les termes de taxonomie. Ici, il y a plusieurs solutions possibles, tout dépend de ce qu'on veut mettre en place. Mais déjà, en faisant comme ça, j'ai appris des choses sur le fonctionnement du conteneur. J'ai appris des choses sur le fonctionnement au runtime, notamment, du conteneur, et voir que les instances évoluent au fur et à mesure qu'on les récupère. Et en faisant ça, j'aurais pu régler tout ce problème avec des vardumps.
J'aurais pu régler tout ce problème en comprenant un petit peu ce qui s'y passe, mais j'aurais perdu d'une en rapidité, et j'aurais aussi perdu une belle occasion d'apprendre des choses sur ce conteneur et voir comment est-ce qu'il évolue. Maintenant qu'on a résolu notre bug, alors on va quand même le regarder parce qu'on est content, on va voir qu'on a un beau 3 qui s'affiche. Voilà, magnifique, on a résolu le bug. On peut être fiers de nous, on peut être fiers de nous. Maintenant, je vais juste vous montrer rapidement un petit quelque chose. Donc, XDebug n'est pas utile forcément que pour résoudre des bugs. Il y a quelque chose que j'aime bien faire, c'est aussi, on parlait tout à l'heure, de voir qu'est-ce qu'on a à notre disposition. Dans les hooks Drupal, la variable variable, ça peut être super utile. Donc là, on peut mettre en place, alors, je voulais appeler ça le Debug Driven Development, mais DDD, c'est déjà pris. Donc, on va appeler ça le XDebug Driven Development, XDD. On va essayer de fonder un truc ensemble aujourd'hui. Et ici, alors, il faut que je réactive la bestiole. Qu'on retourne dans le pré-process, je vais retirer ce breakpoint. Ah, on n'y va pas visiblement. Ah oui, on n'est pas sur un node. Voilà, c'est mieux. Et donc typiquement, moi les premiers réflexes que j'ai eus quand j'ai commencé à développer avec Drupal, c'est que j'arrivais dans un pré-process, j'avais ma variable variable qui a un tableau passé par référence, je ne savais pas exactement tout ce que je pouvais en faire, je faisais un var dump ou je faisais un dump and die et je regardais tout ce que j'avais à disposition. C'était assez fastidieux. Alors que là, j'ai une interface graphique qui me permet de rentrer dans tout ce que j'ai dans ce tableau, les directories, le view mode, mon node, je peux regarder. Donc là, je peux même déjà commencer à bosser avec mon API. Donc je sais que ma variable node, c'est un node. Super, je l'ai bien. Ici, je peux commencer à faire taper des fonctions, par exemple. Et je peux commencer à étudier mon API, voir ce que je peux faire. Et en fait, en fonction, je tape les petites expressions et je fais des copier-coller dans mon pré-process et dans ce que je veux en faire. Donc, plutôt que de bosser pas à pas un peu à l'aveugle, ici, on a vraiment un guide qui nous prend par la main et qui nous aide à comprendre tout ce qu'on a à disposition et qui nous permet de gagner en efficacité et en rapidité et en apprentissage. Par contre, une fois qu'on connaît par cœur notre pré-process de node et qu'on sait exactement tout ce qui se passe dans cette variable node, effectivement, XDebug devient peut-être moins utile. Parce que XDebug, alors, ça s'est amélioré avec les versions... tout court, mais XDebug rajoute un overhead. XDebug rajoute en lenteur. Il y a plusieurs façons de contrer à ça. Maintenant, avec Docker, c'est assez simple parce qu'on peut juste faire une petite target make qui installe et désinstalle l'extension et l'installer uniquement quand on a besoin. Mais c'est quand même quelque chose qu'il faut garder en tête. Pour finir, je vais juste vous montrer rapidement la partie profiling d'XDebug. Oh non, elle est repartie. Alors, non, je ne vais pas recommencer ça. Je vais vous la partager. Alors, il faut que je le retrouve. Il va être... Ici, j'ai un XDebug output. Le voilà. Voilà. Donc, il y a plusieurs outils qui permettent de faire ce profiling avec plus ou moins d'éléments de détail. PHP Storm déjà offre une petite interface graphique qui nous permet de le faire de façon assez propre. Et ici, je vais déjà avoir plusieurs choses à ma disposition. Donc, le temps d'exécution et la mémoire qui a été consommée lors de l'exécution. Là, j'étais sur une requête HTTP assez basique. J'ai donc toutes ces cases-ci qui me permettent de voir les différentes méthodes, fonctions qui ont été appelées. Donc, on parle des fonctions natives PHP comme des méthodes de classe. Et ici, je peux commencer à regarder des choses intéressantes. C'est par exemple, qu'est-ce qui a consommé le plus de RAM lors d'exécution de mon script? Et bien, je vois qu'effectivement, c'est le unserialize de PHP qui l'a fait. Et effectivement, quand on a autant de données, autant de choses en cache, typiquement, on va avoir de gros besoins de sérialisation. Je vois également que j'ai l'autoload ici de Composer qui prend 30% du temps d'exécution d'une requête HTTP, ce qui est énorme. Donc déjà, on peut commencer aussi à réfléchir tranquillement sur des pistes d'amélioration de la perf grâce à ça. Donc par exemple, dumper l'autoload de Composer dans APCU, dans la RAM. Petite piste, et déjà typiquement, là on pourrait se dire que déjà on va gagner beaucoup en termes de performance. Plein de petites choses comme ça qui peuvent vraiment faire en sorte qu'on considère qu'XDebug c'est un véritable allié. Il faut passer cette étape de configuration, je vous l'accorde, elle n'est pas toujours hyper simple, mais bon, plus on le fait, plus on s'en sort. PHP Storm a fait de gros efforts à ce sujet. Maintenant, il y a une partie donc validation de la config. Vous pouvez output votre php.ini, la partie XDebug, et puis il va vous dire, alors en fonction de ce que tu as mis, ma configuration, ça devrait être ça. Ils font vraiment de gros efforts là-dessus.
S'il y en a qui ont gardé un certain, parmi vous, qui ont gardé un certain traumatisme d'une configuration Xdebug il y a quelques années, ça va en s'améliorant, n'hésitez pas à retenter. J'espère vous avoir montré à travers cette présentation que le jeu en vaut vraiment la chandelle. Et voilà. Merci à vous. Des questions ? Personne ? Je vais faire. C'est parce que c'était hyper clair et pas parce que c'est l'heure de l'apéro. Merci. Du coup, une petite question rapide, parce que je fais partie des traumatisés de l'installation de Xdebug avec Docker, Docker Compose, etc. Donc, ça donne envie de s'y remettre. Et du coup, vraiment, ça marche vraiment avec une stack Docker et compagnie. Là, on est sur une stack Docker, Docker Compose. Ce projet est là-dessus. Donc, en fait, sur celle-ci, on prend un Dockerfile, on prend l'image PHP, installation de Xdebug avec Pickle, 2-3 settings dans un PHP ini custom, un volume là-dessus pour le récupérer directement dans son conteneur. Et tu as une config d'Xdebug, c'est xdebug.startwithrequest égale 1. Normalement, tu sais, tu peux passer par des systèmes de cookies, etc., des extensions de navigateur. Et en fait, part du principe que tu l'installes tout le temps. Et après, avec la méthode, alors j'ai oublié, c'est docker php xinstall, je crois. Tu te fais une target make, par exemple, et tu installes et désinstalles l'extension dès que tu veux. Et en fait, dès qu'elle est installée, elle va se lancer automatiquement et tu t'embêtes même plus avec des notions de navigateur et de cookies, de trucs de session qui vont le trigger. Et vraiment, ça marche pas, tu vois, ça marche bien. Pour info, des devs l'installent super bien de manière automatique avec du Docker. Ouais, bah. Je pense que Lando ou Doxal doivent faire pareil. Franchement, il y a de plus en plus de choses qui nous permettent de l'installer correctement, donc je pense qu'il ne faut pas hésiter. Restons pragmatiques. Dès lors que le besoin est là et que c'est utile, il faut y aller. 1, 2, 2. 3. Bonjour. De mémoire, il y avait 3 boutons. Il y avait Step Into, Step In, et il y avait le troisième. C'était Step Over. Step Out, pour step sortir out. De la... Tu te rends compte qu'en fait, tu ne voulais pas aller dans ta fonction, dans ta méthode. Tu sors et tu remontes à l'exécution du dessus. Ça fait un retour en arrière ou juste ça sort de la fonction ? Ça sort de la fonction. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Okay. Ça, c'est by design côté PHP. On ne peut pas faire comme... Enfin, ce n'est pas possible. Très bien. Merci. Merci à toi. D'autres questions ? On a du temps. Bon, et ben, merci. Si vous avez des questions qui vous viennent après, je serai au Little Delirium. N'hésitez pas. Et merci beaucoup.